Il était une fois un homme qui se plaignait doucement parce qu'il était heureux. Dans le noir, quelqu'un de patient, quelqu'un d'habile, de démoniaque, le caressait avec génie. Comme on touche une œuvre d'art, un tableau de maître, un meuble de luxe, un fruit velouté. Elle écrase sa cigarette pendant que je referme la porte derrière moi. Rien. Pas un mot. Nous nous allongeons. Un de mes ongles s'accroche au-dessus du peignoir. Elle me gobe, me boit les lèvres, bouche grande ouverte, sa peau un peu moite, les cuisses pleines, muscles animal torsadés par la caresse. Elle me presse contre elle, elle m'enveloppe. Certains jours, Emmanuelle joue à faire languir son mari. Elle ne se fixe nulle part. Butine d'un point sensible à l'autre, tire de la gorge de sa victime des plaintes, des prières dont elle n'a cure, la fait sursauter, panteler, la pousse au délire jusqu'au moment où, d'un dernier geste, précis et vif, elle parfait son œuvre. Lisser les paupières et nous fixer longtemps dans ce profil menu que le charme eut des lèvres saillantes. Y planter les dents.